une façon pour dire au revoir en chinois? D'abord, zaijian. Zaijian, c'est le au revoir le plus officiel. Ensuite, xiacijian. Xiacijian, ça veut dire à la prochaine. Souvent, vous allez entendre aussi à la fin de mes vidéos. Ensuite, si vous connaissez le temps, vous allez retrouver ou vous pouvez ajouter le temps plus tien. Exemple, si c'est demain, on dit 明天见, 明天见. Ou bien, si c'est la semaine prochaine, on dit 下周见, 下周见. Ensuite, quatrième, 回见, 回见. Ou bien, 回头见, 回头见. 回头, ça veut dire tourner la tête. Donc, 回头见, ça veut dire à plus tard. Ensuite, 后会有期, 后会有期. 慢走, 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 littéralement, ça veut dire marcher doucement. Autrement dit, prenez le temps de partir et au revoir. Ensuite, bye bye, donc ça c'est la traduction directe de l'anglais bye bye. Ensuite, 保重, 保重. 告辞, 告辞, ça c'est un terme assez officiel pour dire s'en aller, partir. Enfin, la dernière, si vous voulez dire adieu à quelqu'un, c'est 永别, 永别. 你学会了吗? 学会了别忘了给老师点赞, 转发并订阅, 我们下次见, 再见.